Et voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fort intéressant que tout le monde aime parler. Non, je plaisante, je plaisante. En fait, c'est pas quelque chose de vraiment agréable. C'est un des quatre grands problèmes de ce monde qui est la vieillesse. Je me souviens, quand j'ai joint la conscience de Krishna, j'avais à ce moment-là 28 ans. Prabhupada disait que la vieillesse est un moment très, très, très pénible dans notre vie. C'est une des quatre misères importantes de ce monde. On n'a pas envie de passer ce moment pénible. Lorsqu'on est jeune, on pense que non, non, c'est pas grave, on a encore du temps, ça presse pas, la vieillesse n'est pas quelque chose de si terrible. Mais quand on y arrive, oh, là, ça change. C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. En fait, le seuil de la vieillesse commence à l'âge de 50 ans. À 50 ans, on peut commencer à dire que nous sommes âgés, très âgés. Okay? En fait, si on regarde sur l'image derrière moi, autrefois, j'avais un jeune corps, comme lui, là. Un jeune corps, j'étais vraiment, vraiment dynamique. J'allais jouer, courir, je faisais les mille coups, comme on dit. Mais là, je suis rendu là. Je suis rendu ici, là, vers la fin. Là. j'ai 70 ans, je ne suis plus un jeune comme autrefois. Okay? Bien que je sois en forme, que je me porte bien, je suis rendu âgé. Je suis rendu âgé. Les gens me regardent différemment sur la rue. Je connais une dame qui me disait qu'un jour, elle était plus âgée que moi. Elle disait qu'à un certain âge, les gens ne veulent plus nous toucher. Ils ne veulent plus nous toucher parce qu'on est rendu âgé. Je ne sais pas, dégoûtant, je ne sais pas si je devrais dire ça. Mais en fait, les gens sont moins attirés par nous, c'est certain, parce qu'on change. On change vraiment. On est devenu des personnes âgées. Tu sais. En fait, que aussi bien, les gens aiment bien cela jouer sentimental, tu vois, parce que ils appellent ça le bel âge. Le bel âge. OK, on ne travaille plus, on a la pension, on a du temps libre, on n'a pas besoin de courir après l'argent. L'argent rentre automatiquement ici au Canada, au Québec, au Canada. On a une pension pour les personnes âgées. On n'a pas besoin de se préoccuper de cet aspect de la vie, de trouver de l'argent. Mais ça nous donne beaucoup de temps libre et il faut savoir vraiment bien l'utiliser. Okay? Bien sûr, encore une fois, bien, je dis que la vieillesse est quelque chose de vraiment, vraiment non agréable. C'est pas du tout agréable, hein? De vieillir, de devenir. Moi je commence de plus en plus sourd, je vois moins bien. Fait que je cours plus sur la rue. Comme je courais quand j'étais jeune, je me suis dit, nous, on restait à la campagne, on grimpait dans les arbres, on a joué dans la forêt, on courait, on patinait, on avait plein d'activités. Mais non, je ne fais plus ça, c'est certain. Mais en fait qu'est-ce que le problème? C'est le problème quand on devient âgé, hein? Quand on devient âgé, c'est que, c'est pas ça que je veux dire. Le problème, c'est de penser que nous sommes ce corps. Que nous sommes ce corps matériel. T'sais. Ça, c'est vraiment un gros, gros, gros problème de penser que, oui, je suis un homme âgé, une femme âgée. Non, on est autre chose. C'est ça que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo, de cet exposé sur la vieillesse qui encore une fois, qui n'est pas un moment agréable. Mais on peut vraiment bien en profiter et tirer avantage de cette étape de la vie, ok? Là, je vais vous parler négativement. Avant, par contre, je vais vous laisser entendre une bonne vidéo de Prabhupada pour nous mettre dans l'ambiance spirituelle. Une bonne vidéo sur Prabhupada chante le mantra. Prabhupada chante vraiment bien, c'est vraiment, vraiment un bon chanteur. Et puis quand il chante, on a vraiment l'impression qu'il parle à Krishna. Hein? Qu'il parle à Krishna. OK, je vous laisse entendre ça. Ça dure quelques minutes, 7, 8, 10 minutes, je ne sais plus. Puis je vous reviens. Ah, ça va être Krishna. Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsya
Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et voilà, chers amis. Ok, bon, mais maintenant, nous allons passer au côté négatif de la vieillesse. Hein? Dernièrement, je suis allé, j'ai dû prendre le taxi pour aller quelque part, peu importe. Puis j'avais le chauffeur de taxi, on parlait, je parlais, mais j'ai dit qu'il m'a demandé, j'ai demandé son âge. Lui était jeune, de 37-38 ans. Et puis, je parlais de son métier de chauffeur de taxi, de conducteur de taxi. Et puis, j'ai demandé son âge. Et puis, lui aussi m'a demandé mon âge. Là, j'ai dit, moi, j'ai 70 ans. 70 ans. Il m'a dit, ah, que vous ne paraissez pas 70 ans. Il avait semblé le cœur jeune. Donc, tout le bon côté de la que les matérialistes voient de la vieillesse. Hein? Il compte des mensonges, hein, parce que la vieillesse n'est pas si agréable que ça, ok? Je vais vous conter aussi une petite affaire, une petite chose qui m'est arrivée. Dernièrement, la semaine dernière même, j'étais chez moi, j'allais m'apprêter à dormir, je me couche très tôt le soir, je me lève très tôt aussi. J'avais une petite douleur aussi, tout près du cœur, insignifiant, tu sais. C'est rien de grave, t'sais. Et puis j'étais allongé, prêt à dormir, et puis, mais la douleur a commencé à l'augmenter, puis là, c'est devenu vraiment douloureux, et ça y est, je fais une crise cardiaque, je vais mourir, ça va passer, je me suis levé, je faisais les 100 pas de chez moi, j'allais d'un côté puis de l'autre, maintenant la poitrine comme ça, le cœur, puis là je me dis, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois, je vais-tu appeler l'urgence, l'hôpital, l'ambulance, puis là je dis non, je vais attendre, ça va probablement passer, toutes les douleurs que j'ai eues dans ma vie ont toutes passé, fini par passer, là j'ai dit ok, je vais attendre, ça continuait, une heure a passé, la douleur était toujours là. Cette chose-là, ça faisait mal, c'était très, 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 très douloureux. Et puis, OK, je vais attendre encore un peu, toujours avec la pensée que je devrais peut-être appeler l'hôpital, l'ambulance, m'emmener à l'hôpital. C'est que j'ai mis le dé de côté, encore une fois. J'ai même pris le téléphone pour mon cellulaire, mon portable, pour... J'ai commencé à pitonner le clavier pour appeler l'ambulance, mais j'ai dit non, je vais attendre encore un peu, et puis là, ça continue, une autre heure, ça a duré pendant 2 heures, peut-être un petit peu plus, il était rendu 10 heures le soir, puis j'avais encore toujours ce mal à la poitrine, au cœur, dans la région du cœur, je me dis, ça y est, je vais appeler l'hôpital. Voyons, je vais appeler l'ambulance pour qu'il m'emmène à l'hôpital. Là, j'ai appelé. Et puis, c'est ça. Là, j'ai expliqué mon cas. J'ai dit, madame, écoutez, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Je ne connais pas ça, j'ai jamais eu ça. Elle a dit, OK, monsieur, on va vous envoyer une ambulance. OK, puis là, moi, j'ai descendu, je suis au troisième étage. J'ai descendu en bas pour attendre l'ambulance. Et puis, c'est ça. Fait que là, finalement, l'ambulance est arrivée, peut-être 20 minutes plus tard. J'ai embarqué à l'intérieur. Il y avait 2 jeunes hommes qui prenaient soin de moi, un conducteur, puis l'autre, qui m'a fait tester mon cœur pour voir qu'est-ce que j'avais. Mais à ce moment-là, juste un petit peu avant, la douleur, elle est descendue. Elle est allée à l'estomac. Et puis, c'est un petit peu moins douloureux,
Mais quand même, c'est vraiment pas agréable. Et puis, lui, il a regardé sur son test qu'il a pris. Puis, bon, mon cœur était correct. Mon cœur était correct. C'était pas une crise cardiaque. Voilà, ça m'a soulagé. Mais quand même, je pensais à la mort à ce moment-là. Puis, finalement, on est allé à l'hôpital, qui était à 5 minutes d'ici en auto, en ambulance. Puis là, ben, j'ai passé la nuit là, avec tout la douleur à l'estomac maintenant. Qui avait descendu un peu, mais quand même qui était toujours là, qui était très, très, très fatigante. Et puis là, j'ai rencontré, ils ont passé des tests de sang, tests pour le cœur. Et puis là, j'étais couché sur un lit, puis j'attendais le docteur, mais en fait, c'était une docteur, elle est venue finalement. Et puis là, elle m'a testé, elle a passé encore quelques tests, je ne me souviens plus. Et puis, une femme très, 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 très gentille. En fait, toutes les gens étaient vraiment très gentils à l'hôpital. L'ambulance aussi était très gentille. Et puis, moi, je souffrais. J'ai dit, écoutez, là, j'ai mal, donnez-moi quelque chose pour enlever la douleur. T'sais. Puis là, ils m'ont donné une petite pilule. Et puis, ça n'a pas fait un gros effet. La douleur était toujours là, un petit peu moins, mais quand même douloureux, c'est douloureux. J'ai essayé de dormir, je ne pouvais pas dormir parce que ça faisait mal. Et puis j'ai demandé un autre, j'ai dit, j'ai encore mal. Puis là, ils m'ont donné un autre médicament, mis sur la langue, puis un autre. Puis finalement, la douleur est partie. Et puis les heures ont passé aussi, j'ai réussi à dormir. Puis finalement, la docteur est revenue, elle a dit, OK, là, monsieur Ouellet, tout est normal, OK? Ça fait que ça m'a rassuré. Donc là, je pouvais revenir à la maison. Je suis revenu, mais bien sûr, j'ai pas hésité à sortir de l'hôpital. Et puis, je perdais un petit peu d'équilibre. Je marchais à pied, il n'y avait pas de taxi, mais je ne suis pas loin de l'hôpital. Peut-être 10 minutes de marche, je passe à travers le parc. Par la fontaine, et puis ben, je me suis rendu chez moi, puis en fait, je me suis couché, j'ai dormi incroyablement, moi je dors pas tant que ça, j'ai dormi quelques heures par nuit, genre, je sais pas, 5 heures, et puis, mais là j'ai dormi, vraiment, je suis arrivé le matin, j'ai dormi toute la journée, jusqu'à le lendemain matin, j'ai dormi peut-être 12 heures, wow, là ils m'ont donné des médicaments, peut-être que c'est ça qui m'a assommé, t'sais. Et puis, ces petits voyages à l'hôpital, ça fait partie de la vieillesse. All right, OK. Puis qu'est-ce qui est amusant? Ben, qui est amusant, je ne vais pas dire ça, parce que ça ne l'était pas. C'est que mon frère aussi, deux jours après, il est parti aussi à l'hôpital d'urgence. Il a attrapé un virus. Puis là, il était chez lui sur son sofa. Il faisait juste s'allonger, manger un petit peu. Il faisait rien pendant deux jours. J'écoute, appelle l'ambulance, va voir qu'est-ce qui se passe avec toi. Il dit, tu vas pas guérir tout seul comme ça, en restant comme ça. Là. Puis ma fille est allée, puis il a passé aussi la nuit comme moi à l'hôpital. Et puis il est revenu aussi le lendemain. Le lendemain. Et puis, mais en fait, mais là, il prend du mieux, OK? Alright, OK, je vais revenir sur ce sujet. Bon, et voilà, chers amis, encore une fois, me revoici. Alright, OK, bien, en fait, je dis encore une fois que la vieillesse n'est pas un moment agréable. Je suis allé il y a une couple d'années, je crois, je voulais déménager. Je suis allé dans un bâtiment, un bloc appartement, qu'on appelle le village olympique, autrefois cet endroit était en 1977, je crois, qu'on a eu les Jeux olympiques ici à Montréal, puis on construit un grand, grand, grand bâtiment pour les athlètes et pour loger les athlètes, et ils ont conservé ce bâtiment-là, il existe toujours. OK? Et bien là, je suis allé pour voir s'il y avait un appartement à louer pour moi. OK? C'est ça. Là, je suis arrivé, mais je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était un bloc appartement comme tous les autres, mais en fait, en entrant, j'ai vu, je dirais que 75% des gens, c'est toutes des personnes âgées, vraiment, vraiment âgées. Je me souviens d'un vieux monsieur, j'ai demandé l'information, il marchait tranquillement,
Puis il ne m'a pas répondu. Il m'a fait comme ça. Et on voyait qu'il souffrait dans son corps. Il souffrait vraiment, vraiment. Ce monsieur-là en question, a déjà été jeune. C'est ça, c'est vraiment, vraiment surprenant qu'un jour on arrive, qu'on n'a pas nos capacités, qu'on n'a plus l'énergie que nous avions auparavant. C'est vraiment, c'est traumatisant. Et puis, mais en fait, là, j'ai parlé, là, quand je suis arrivé là, je ne m'attendais pas à ça. Là, j'ai comme perdu le goût, l'envie de louer un appartement à cet endroit. Et puis, peu importe, je suis allé à l'administration, mais s'informer pour le prix, puis visiter un appartement, puis tout ça. Puis les madames aussi qui s'occupaient de louer, il y avait deux dames, étaient aussi pas très jeunes non plus. Peut-être qu'à ce moment-là, ça doit faire peut-être 3 ans de ça. Bon, à ce moment-là, j'avais 67 ans. Peut-être qu'eux avaient mon âge probablement, tu sais. Puis là, on parlait là, avec la dame, une des dames qui parlait plus que l'autre. Et puis bien, elle disait que les gens, en automne, dans le bâtiment, que l'automne, plus de gens qui quittent leur corps, qui meurent, en d'autres mots. C'est ça. Parce que l'automne ici au Québec, c'est vraiment, vraiment monotone. C'est monotone, c'est ennuyant, les gens deviennent très dépressifs. C'est un bon moment pour mourir. En fait, ils ne veulent pas affronter l'hiver. Probablement, ils ne veulent pas affronter l'hiver, qui est très, très, très difficile à passer. L'hiver est un moment très, très, très difficile. En tout cas, aussi difficile que la vieillesse, peut-être plus. Et puis, c'est ça. On disait que beaucoup de gens meurent à cette période-là de l'année, à l'automne. Et puis, aussi, je lisais dernièrement, c'est un autre article aussi, que les gens seuls meurent plus vite que les personnes qui sont en couple, ok? Je viens de parler de l'automne, t'sais. En fait, l'automne annonce l'hiver, hein? Et en fait, la vieillesse aussi annonce la mort, c'est vraiment... Là, les gens s'en rendent compte, là, qu'ils vieillissent, puis qu'ils meurent, qu'ils sont malades, pas qu'ils meurent, mais qu'ils vont mourir, que la mort approche, hein? Si je regarde autour de moi, là, je ne parle plus du village olympique, là, mais je regarde dans ma vie personnelle, toutes mes amies sont toutes rendues âgées. Je suis un des plus âgés. Mes amis ont 60 ans et plus. J'ai plus de jeunes amis de 20 ans. J'ai plus de 20 ans qui ont couru d'un côté et de l'autre. On allait s'amuser, on voulait profiter de la vie. J'ai plus d'amis comme ça. Je n'en ai plus. On a tous veillé. Mes oncles, mes tantes, je n'en ai presque plus. Je crois qu'il y aurait juste une tante. Elle a 90 ans. Je ne la vois pas. C'est ça, je suis rendu dans une autre époque, un autre stade de ma vie. Vraiment, vraiment. Je suis rendu rongé. Il faut faire avec, si on n'a pas le choix. Il faut veiller, mais on va s'en sortir, comme on dit, parce que je vais vous montrer un autre aspect de cette vieillesse-là, de qu'est-ce qui arrive vraiment, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment. Un autre aspect qui est en fait présenté par la conscience de Krishna, qui nous donne vraiment, vraiment une autre vision de ce qu'on est vraiment et de ce qu'est la vieillesse. Et en tout cas, je vous reviens. Dernièrement, un jeune m'a appelé le vieux. Je n'ai pas aimé ça du tout, je me suis fâché. Et puis, j'ai dit, écoute bien là. J'ai dit, n'oublie pas là, on est dans le même bateau, toi et moi. Parce que toi aussi, tu vas devenir vieux. Là, il n'y a plus rien dit. Il n'y a plus rien dit, là. Parce que lui aussi, il va devenir vieux. Quand on est jeune, on ne pense pas qu'on va arriver à un âge avancé. On ne pense pas. La seule façon de ne pas arriver à cet âge, de devenir âgé, c'est de mourir avant. Il n'y a pas d'autre façon. C'est vraiment, vraiment la façon pour ne pas devenir âgé. Encore une fois, c'est de mourir avant.
Fait que, c'est ça. En fait, comme je viens de dire, les jeunes ne pensent pas que ça va leur arriver. Hein. Moi, quand j'étais jeune, non. Ça ne m'arrivera pas, moi. Mais non, je suis là, je suis dedans. Puis je regarde, encore une fois, mais je regarde mes oncles, mes tantes, qui devenaient hochés. Moi, j'étais encore jeune, mais ils regardaient faire, mais je ne me posais pas trop de questions. Je voyais, leur visage change, hein, ils sont plus aussi dynamiques, hein, ils sont plus aussi pleins d'énergie qu'avant. Hein. Fait qu'ils sont rendus hochés, ils sortaient à marcher avec une canne. Hein. Tu m'as déjà arrivé de marcher avec une canne, heureusement je ne marche plus avec une canne présentement, mais j'ai ma canne en garde-robe encore. En tout cas, j'avais eu un mal de dos, en tout cas, ça c'est autre chose. Et puis, j'étais jeune. Et puis, en fait, aussi, un autre point qui n'est pas agréable, tout à l'heure, je parlais que les personnes qui sont seules meurent plus vite. Hein? Puis, en fait, même si on est en couple, je vois des amis, moi, je suis seul, je vis seul, puis je vois des amis qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est la solitude? Parfois, je m'ennuie. Parfois, je m'ennuie. Ça arrive. Mais il faut que je me défende contre l'ennui. C'est ça que je vais vous expliquer tard. Okay? Et puis, c'est ça le fait que. J'ai perdu une idée. En fait, c'est ça. En fait, quand on vit en couple, les gens qui vivent en couple ne comprennent pas qu'une personne âgée et seule. Comment ça peut être difficile? Parce qu'ils sont ensemble, ils peuvent échanger, mais dès qu'un des deux meurt, wow, là c'est tout est changé. Là c'est vraiment pareil. Là, l'ennui s'empare de cette personne-là. La solitude s'empare d'elle. Elle devient vraiment envahie par cette solitude, le fait d'être seule. C'est vraiment un moment très, 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 très difficile. Je me souviens d'une de mes tantes qui a perdu son mari. Elle a dit que ça prend 3 ans avant d'oublier ou de ne plus être affectée par la disparition de son mari, de son conjoint ou conjointe. Ça fait que ça, c'est très, très, très difficile. Je vois ici, juste au côté de la rue que je meurs, il y a un vieux couple aussi, probablement de mon âge. Et puis, je sais, ils ne se posent pas les mêmes questions que moi, hein? Je veux dire, ils ne sont pas dans la même situation que moi. Ils s'échangent, ils se parlent entre eux, mais ils oublient qu'un des deux, un jour, va partir. On ne sait pas lequel. Mais c'est certain à 100%. Hein? C'est vraiment, vraiment certain. OK? All right. All right. Je vous laisse écouter une vidéo. OK? Le propane. Propane qui va. On va commencer à montrer le côté positif de la vieillesse et on va montrer qu'il y a autre chose que ce corps-là, que cette vieillesse, que ces misères, un moyen de les éviter. Hein? En fait, un moyen de ne pas être affecté par la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, et même de se débarrasser de ces 4 misères. Définitivement, et ce pour toujours. Alors, Hare Krishna, je vous laisse écouter cette vidéo et je vous reviens immédiatement après. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Rama, Rama Rama,
Bien sûr, on parle de la vieillesse, on parle de la vieillesse, je vais pas arrêter. En fait, qu'est-ce qui est difficile, juste une petite seconde, je veux dire, qu'est-ce qui est terrible dans vieillir? Dans vieillir, c'est de toujours penser que nous sommes jeunes. Hein? C'est ça. En fait, nous sommes vraiment jeunes, nous sommes vraiment, vraiment jeunes, mais le corps a complètement changé. Le corps a changé. C'est ça qui est difficile. C'est ça, c'est difficile à comprendre. En fait, toujours notre pensée, on a des pensées toujours jeunes, on veut exploser, on veut danser, on veut chanter, on veut faire plein de choses, mais le corps ne suit plus. Le corps ne suit plus. C'est là qu'est notre problème. Hein? Parce que le cœur est toujours jeune. Hein? En fait, c'est ça que je vais expliquer. C'est la différence entre, il y a une différence entre l'âme et le corps. Hein? Fait, le corps vieillit, mais l'âme, elle est toujours, toujours jeune. Pourquoi qu'elle est jeune? Parce qu'elle est éternelle. Elle est éternelle, elle n'a jamais eu de commencement et jamais n'aura de fin, elle n'a pas d'âge. Là, l'âme n'a pas d'âge. Elle est toujours, toujours jeune. C'est que, vraiment, c'est ça. En fait, si on regarde, examinons un petit peu notre situation, ok? Tout le monde, pas juste moi, tout le monde sans exception, probablement tout le monde, vont tous mourir. Ça, c'est sûr à 100%. Hein? Mais en fait, tous en ce monde, nous avons passé nous avons été jeunes, bébés, nous avons été bébés, nous avons pris naissance, hein? Nous avons passé par la jeunesse, l'âge adulte, et nous sommes, enfin, moi, en ce qui concerne, je suis âgé, je suis une personne âgée, mais en fait, on a pris différents corps au cours de cette vie. Au cours de cette vie, nous avons pris différents corps. Nous avons pris un corps de bébé, un corps de jeune, de 7 ou 8 ans, un corps d'adolescent, d'adulte, et ainsi de suite. Notre corps a changé. Hein? On n'a plus le même corps. Je n'ai plus le même corps présentement que quand j'avais. Je suis nouveau membre. Et mon corps est complètement changé. En fait, c'est prouvé scientifiquement que toutes les cellules de notre corps changent à toutes les 7 ans. Hein? À toutes les 7 ans. Puis, présentement, il y a des cellules qui, dans mon corps qui naissent, d'autres qui meurent. Fait que mon corps, il change. Il est continuellement en train de changer. Il n'arrête pas, il change constamment comme ça, sans arrêt. OK? On change de corps, mais on reste la même personne à l'intérieur. On est différent de ce corps. On n'est pas ce corps. On est vraiment différent de ce corps. On n'est pas ce corps matériel. On est une âme qui vit dans ce corps. C'est vraiment, vraiment. Si on comprend ça, tous nos problèmes sont réglés. OK? Il faut vraiment, vraiment comprendre ça. C'est très, très, très important. Et puis, on comprend ça en chantant Hare Krishna. OK? En fait, c'est ça. L'âme ne connaît ni la naissance, ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être non-née, immortelle, originelle, elle n'eut jamais de commencement et n'a jamais d'horreur de fin. Elle ne meurt pas avec le corps. L'âme ne meurt pas avec le corps. Hein? Ça, c'est les versets de la Bhagavad Gita, verset 2.20. C'est vraiment, vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Et on peut le constater, on peut le vérifier, si c'est vrai ou pas, par expérience, en chantant Hare Krishna. Hein? En chantant Hare Krishna, c'est la seule façon. Okay? C'est qu'on apprend qu'on est différent du corps, on apprend qu'on ne mourra jamais. Hein? Okay, on change de corps au moment de la mort, mais on n'en meurt pas, on continue, on change, on peut juste changer de corps. On reprend un corps de petit bébé, un corps d'adolescent, un corps d'adulte et de vieillard et aussi. On repasse par la même étape
que nous devons passer présentement, dans la prochaine vie. OK? C'est que quand je dis, on passe par les mêmes étapes, c'est naissance, maladie. Non, non, je veux dire, on change de corps. Naissance, jeunesse, adulte et vieillesse. On repart toutes les mêmes choses. On réapprend ce que nous avons déjà appris dans les vies antérieures. On retourne à l'école. On retourne étudier. En tout cas, on reprend. On refait toutes les mêmes activités. Ça, c'est pas très, 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 très agréable de recommencer continuellement la même chose. La même chose. Ça fait qu'au moment de la mort, on va prendre un nouveau corps. On va retourner. On va avoir à part des parents qui vont prendre soin de nous, qu'on va aimer probablement, ou ne pas aimer, ça peut arriver aussi. Et on meurt constamment. Constamment. Et on a fait ça pour des millions de vies. Hein? Et là, ce serait le temps, parce qu'on a rencontré un maître spirituel qui est Prabhupada, qui est le plus grand des maîtres spirituels présentement sur la planète, qui nous a laissé vraiment des écritures incroyables. Incroyable, qui demande à être étudié et à être réalisé, bien sûr, en chantant le mantra et en suivant certains principes. Ça fait qu'on a une façon, en fait, il y a possibilité d'arrêter ce cycle de mort et de renaissance continuel. Hein? Encore une fois, en chantant avec Krishna. OK? Alors, c'est que je vous laisse écouter, Prabhupada, justement, sur le mantra. Qui sur son Japon chante le mantra et je vous reviens immédiatement après. All right, chers amis. Rao Rao Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Rao 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 Hari Krishna 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 Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Rao Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Rao Rao Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna Rao Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna Krishna Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Rao Hari Rao 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 Hari Krishna Hari Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right, ok. En fait, la vraie personne qui vit dans ce corps, qui est l'âme, elle est éternellement jeune, elle n'a pas d'âge, okay, comme je le disais tout à l'heure. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre, puis c'est ça qu'il faut réaliser. Il faut réaliser que nous sommes une âme spirituelle, et à ce moment-là, nous n'aurons plus à avoir à faire face à ces misères de la vie. Quelqu'un qui comprend ça vraiment bien, qui est un pur dévot de Dieu, qui est un pur dévot de Krishna, à ce moment-là, peu importe les circonstances, qu'il soit dans le monde matériel, qu'il soit dans le monde spirituel, il est toujours, toujours heureux. Toujours heureux. Hein? Parce qu'il est en amour complet avec Dieu, avec Krishna, Dieu la personne suprême. C'est ça que nous devons, une fois pour toutes, finir le travail du Bhakti Yuga, finir ce job, comme on dit au Québec, right. Et retourner à Krishna, à Dieu, à la personne suprême, ok? Mais en fait, on peut utiliser aussi la vieillesse, hein? Comme je disais au tout début, on a du temps, on est à notre pension, on a beaucoup de temps, mais on doit utiliser ce temps, hein, pour qu'il nous donne les meilleurs résultats possibles, hein? Qui marche cette voie, aucun effort n'est vain, ni le bienfait inclus, le bienfait acquis n'a jamais perdu, le moindre pas nous y libère de la plus redoutable crainte. En fait, c'est tout ce qu'on fait pour Krishna est accumulé dans notre compte de banque, est accumulé, et on va l'utiliser dans cette vie et aussi dans la prochaine. Hein? Et bien, en fait, quelqu'un qui est réalisé spirituellement, quelqu'un qui est un pur dévot de Dieu, retourne dans le monde spirituel. Mais parfois, comme Prashila Prabhupada, qui est venu dans le monde matériel, nous éclairer sur cette connaissance des Védas, cette connaissance de Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, plein de livres pour nous aider à se sortir de notre mauvaise situation en ce monde et nous donner des instructions comment se libérer de la vieillesse, de la mort, de la naissance, et de la maladie aussi, ok? En retournant dans le monde où ces choses-là n'existent pas. Hein? En fait, c'est ça qu'il faut réaliser. Il faut retourner dans le monde spirituel pour ne plus reprendre un corps matériel, un corps qui meurt, qui renaît, qui meurt, qui renaît constamment. Hein? En fait, il faut sortir de cette situation-là, ne plus vieillir, ne plus mourir, ne plus être malade et ne plus apprendre naissance. Hein? En fait, comme je viens de dire, on doit utiliser notre temps précieux. Pour parler de même une seconde ne peut pas être achetée pour des millions de dollars. Hein? Fait qu'on doit utiliser notre temps précieux pour retourner à Krishna, pour retourner à Krishna, Dieu, la personne suprême, et en finir une fois pour toutes dans ce monde matériel. Et on doit utiliser ce temps-là à chanter avec Krishna, hein?
à méditer sur Krishna, aussi à faire du service pour Krishna. On doit, en fait, la conscience de Krishna, c'est l'application joyeuse. Hein. On danse, on chante et on fait soin. Hein. On a les meilleures nourritures au monde, que nous appelons Prashadam, qui est miséricorde. Hein. On ne dit pas qu'on mange la nourriture, c'est le Prashadam, on honore le Prashadam. En fait, il était dit, il prépare de dire quelque part, que le Prashadam n'est pas différent de Krishna. Donc on a la meilleure nourriture au monde, okay? On fait soin, on a des festins, on danse, on chante. En fait, la prochaine vidéo va porter sur ce sujet. Et puis, c'est ça. C'est d'application joyeuse. Même dans la vieillesse, on peut être heureux sans. Enfin, on peut être heureux sans penser à notre situation inconfortable quand nous allons mourir prochainement. Hein? En fait, si on pense que. Si on sait que prochainement nous allons retourner dans le monde spirituel, on n'a pas à s'en faire. Hein? On est heureux. En fait, même si on ne retourne pas dans le monde spirituel, on va aller sur les planètes héléniques pendant X années et jouer un bon beau moment du monde matériel, mais des bons côtés du monde matériel. Et revenir aussi sur la planète Terre, en fait, quand on revient des planètes héléniques, on revient dans une goutte de pluie, on est jeté sur le sol, et une petite plante va pousser, et que notre père va manger, hein, et qu'on va aller dans les testicules de notre père, et on va être projeté dans la matrice de notre mère, et reprendre naissance, et à ce moment-là, si on a avancé, fait beaucoup de progrès spirituel, ce sera notre dernière vie, et on retournera dans le monde spirituel en compagnie de Krishna, ça pour toujours. Notre place originelle est d'être un serviteur de Krishna. On vient du monde spirituel, nous étions avec Krishna, nous avions une forme que nous appelons Svarupa, qui n'est pas différente du corps. Nous avons une forme qui existe pour l'éternité et qui est présentement recouverte par ce corps grossier que nous avons présentement, mais qu'on va retrouver lorsque nous retournerons dans le monde spirituel. On ne vient pas du Brahmanuti, on ne vient pas d'une énergie spirituelle. Nous étions une personne, nous avons toujours été une personne, nous avons vécu pendant un grand laps de temps en compagnie de Krishna, nous avons joué avec lui, nous sommes amusés avec lui, et pour une raison ou pour une autre, parce que nous sommes devenus envieux de Krishna, nous sommes tombés dans le monde matériel, et là on a eu à renaître et mourir constamment. Mais encore une fois, bien, on peut utiliser notre vieillesse pour sortir de ce monde et retourner dans notre vraie demeure, en compagnie de Krishna. Alright. Ok, je vous laisse écouter encore une autre vidéo. Ok, et je vous reviens pour le mot de la fin. Hare Krishna. Oh,
Voilà, chers amis. Eh bien, ok. Nous allons utiliser notre vieillesse, en fait, toute, pas juste notre vieillesse, toute notre vie. Hein? Je parle surtout de la vieillesse, mais on peut utiliser toute notre vie pour vraiment s'occuper à répandre la conscience de Krishna, à devenir un serviteur de Dieu, apprendre à devenir un serviteur de Dieu. Et on peut profiter de notre vieillesse parce que nous avons beaucoup de temps libre pour aller en Arénam, chanter sur la rue, vendre des livres de Prabhupada, passer des feuillets sur la conscience de Krishna, comme ça, devenir occupé et obtenir de bons résultats par ces occupations pour un pur dévot de Krishna, pour Srila Prabhupada. Hein? En fait, comme je disais, Prabhupada est le plus grand des maîtres spirituels. En fait, si on approche Srila Prabhupada, hein, en fait, il est dit, verset de Bhagavad Gita, 2, peu importe. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel, approche-toi d'elle avec soumission et tout en servant le maître spirituel. Le maître spirituel, l'homme réalisé va te révéler le savoir car elle a vu la vérité. Prabhupada a vu la vérité, il nous l'a donné. Maintenant, profitons-en pour l'apprendre, prendre cette miséricorde, vraiment, vraiment une grande miséricorde, la plus grande de toutes les miséricordes, pour retourner à Krishna, en compagnie de Krishna, et ça pour toujours. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite, que je me souhaite aussi, alors, parce que je veux retourner dans le monde spirituel, je ne veux pas rester ici, ce n'est pas toujours facile, parce que nous sommes toujours attachés au monde matériel, nous sommes attachés à différents plaisirs de ce monde matériel, mais on a, même si on faillit parfois, on continue, on n'arrête pas, jusqu'à ce qu'un jour nous soyons en compagnie avec Krishna, et ça pour toujours. Alright, Hare Krishna, et à la prochaine vidéo. Alright, Hare Krishna.